Hey yo les amis, c'est The Frizman. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous dire merci énormément pour les 75 abonnés. On fonce en 80 abonnés, puis aux 90, puis aux 100. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'oublie pas en tout cas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, ça me ferait hyper plaisir. Et en plus comme ça tu ne prends plus aucune de mes vidéos si tu actives la cloche de notification. Bon ben les amis, on perd pas plus de temps et je vous laisse profiter de la vidéo. Bonne vidéo. Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter une petite villa que j'ai trouvée assez sympa. Quand je me baladais dans Los Angeles, je me suis permis de sortir et de me balader dans le Nevada. Maintenant nous sommes au Nevada et j'ai découvert cette petite ville là, assez sympa, sans propriétaire. Je me permets de faire le tour du propriétaire comme on dit. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications, ça me ferait hyper plaisir. Comme ça on fonce tous ensemble aux 100 abonnés les potos, 100 abonnés. Je sais que vous pouvez le faire, tout ce que vous avez à faire c'est très simple, c'est de liker la vidéo, la regarder juste au bout. Et le commentaire, et bien évidemment de la partager. Si tu me découvres sur la chaîne, bien évidemment, tu en fais de même. Bon, sur ce, c'est parti. Alors, l'entrée est déjà pas mal. Un peu sombre, mais pas mal. Allez, hop. Voyons voir. Ah, ok. Apparemment, nous avons énormément d'hectares pour nous. Ouais, le luxe. Bon, nous, on va entrer. Allez, allez, on fait très attention à la porte. Oula. Voilà. Bon, alors, on va visiter l'intérieur. Déjà, à première vue, villa très sécurisée. Ah, je vois que nous avons un four à feu de bois. Sympa pour un barbecue avec des invités. Ok. Du solide, le mur. Bon, on va visiter l'étage supérieur. Allez, hop. Allez, hop, hop. Alors, voyons voir. Allez, allez, on se dépêche. Un beau... Une belle peinture de Babylone, suppose. Oui. Bon, nous les amis, alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Hop, alors, c'est quoi ça? Ok, une énorme table, un énorme banquet. Ok, c'est assez sombre comme maison, mais bon, c'est vide. D'après ce que j'ai lu sur à propos de cette maison, il y a eu un énorme incendie, mais c'est un miracle. Aïe, aïe, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Ouf, j'ai eu chaud. Mais je me demande comment est-ce qu'ils ont fait ces architectes pour faire une énorme table avec de l'eau. Ah là là, ces architectes, ils sont vraiment fous dans leur tête. Hop, et zdouf. Ah, ça c'est une piscine qu'on a à disposition. Wesh. Allez, ouf, voilà. Wouh. Ah, on a également un terme de ping-pong ou bien d'hélicoptère. Mais suppose que c'est pour un jet privé ça. C'est une maison de milliardaire. Bon ben, puisque c'est pas encore vendu, on va profiter. Bon, la vue est magnifique, mais il y a énormément de choses à voir. Allez, hop. Alors, voyons voir. Hop, 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 hop. Ah, il fait un temps nuageux. Bon, nous allons entrer. Hop, je me permets de casser la vitre, voilà. Et hop. Alors... Qu'est-ce qu'il y a à voir? Y a-t-il autre chose à voir? Ah oui, ce côté-ci. Allez, hop. Bon. Un deuxième banquet. Une table à manger. Ah, ça c'est la cuisine. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Ah, ça doit être l'armoire pour la nourriture. Ok. Je me permets de prendre un peu. Ah, on peut pas prendre. Apparemment, ça doit être juste être du caoutchouc. Bon, ben, on va voir ce qu'il y a d'autre.
Alors, bon, on a assez vu cet étage. Maintenant, on va descendre à l'étage inférieur. Ok. Ah, ça doit être la salle de gym. Allez, voilà. Allez, hop. Je soulève des trapèzes. Ou bien, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs. Des haltères. Ah oui, ça s'appelle des haltères. On va courir un petit marathon. Allez. Et voilà. Bon, ça, on va le faire plus tard. Alors. Wesh. Mais c'est quoi ça? C'est une méga cheminée XXL. Ok. Et ça, ça... Ah. What? Mais ils ont même une salle de cinéma. Ah ouais. Le mec qui va acheter ça doit sûrement être hyper riche. Bon. Alors, on va y voir. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment peur de rester tout seul dans un énorme cinéma. J'aimerais pas être resté là-bas plus longtemps. Bon, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'explorerai ce côté-ci? Non, je l'ai pas exploré, je l'ai pas exploré. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, une table de ping-pong, de billard. La partie est pour moi. C'est moi qui paye la tournée. Poulet rôti pour tout le monde. Ouais, poulet rôti. Et puis tout le monde fait un stouf dans ma piscine. Ok. C'est quoi ça? Le sauna. Ok, aïe, ça fait mal à mes jambes. Aïe. Et le jacuzzi. Oh là là, aïe. Aïe, un tableau. Aïe, ça fait mal. Oula, aïe, ça fait mal aux jambes. Bon, on va pas trop s'attarder ici. Même si ça fait hyper mal aux jambes. C'est quoi ça? Ah, on peut même voir ce qu'il y a dans la piscine. Bon, on va pas également s'attarder trop ici. J'ai l'impression d'avoir oublié de voir des choses. Mais oui, c'est normal. Les vestiaires. Ok. Cette villa est suffisamment grande pour faire un cache-cache. Les amis, dites-moi c'est dans les commentaires si vous voulez que je fasse un cache-cache ici. J'en ferai si vous me le dites dans les commentaires. Bien évidemment, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Alors, voyons voir. Et la cloche de notification. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Alors, hop. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est déjà vu. Bon. On va piquer un énorme... Aïe. Je me suis fait mal. Allez, hop. C'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? Ah, ça, apparemment, c'est la porte de sortie. Allez, hop, ouvre-toi. Voilà. Bon, apparemment, j'ai pas tout exploré. Et c'est ce que je me disais, j'ai pas tout exploré. Ah, le garage, il est énorme en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de déménager ici. C'est sûrement parce que c'est tellement grand qu'on s'y perd. Mais bon, peut-être un jour. Alors, voyons voir. Mais c'est pas du déjà vu ça par hasard? Ok, alors voyons voir. Oui, c'est du déjà vu. Alors, et stouf. Ah non, je peux pas faire un énorme stouf, sinon je vais tomber comme une crêpe. Stouf. Qui a dit que je pouvais pas faire un stouf, hein? Bon. Ok, ça c'est du déjà vu. Alors. Il y a quelque chose que j'ai pas vu. On va tout de suite changer la température. Hop, voilà. Ouf, il fait hyper froid maintenant. Surtout que c'est la nuit. Il faut pas trop s'attarder ici. Je sais pas ce qui rôde dans ces bois. Je savais bien que ça me donnait pas envie. Bon, attendez, on va mettre le jour. Allez, le jour. Hop. On va taper une bonne vieille commande. Aïe. Et... oui, c'est tout, j'ai tout vu. À première vue, j'ai tout vu. Oui, en effet, j'ai tout vu. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un God Mode et on va aller voir le reste.
Bon les amis, nous voilà en God Mode. Maintenant, hop, on va faire un tour rapide. Vroom, 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 vroom. Vroom, 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 vroom. Ok, c'est quoi ça? Ah, je savais. C'était une salle, c'est un terrain de ping-pong. Passe la balle, allez, vas-y, passe. Bon, ok. Ça, on dirait que c'est une villa familiale. Mais bon, c'est super, mais c'est vraiment trop, trop grand. Bien, très, très grand. Alors, on va y voir. Cette ville-là a vraiment du potentiel. Ah, c'est par là la piste d'hélico. Peut-être que je vais garer par ici ma voiture. Et ici, j'en ferai peut-être une base sous-marine. Je sais pas, mais on verra. Bon, ben les amis, malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Et d'activer la cloche des notifications. Ça me ferait hyper plaisir, les amis. Go les 100 abonnés. Allez, je sais que vous pouvez le faire. C'était Frizman sur ce. Peace. Et à la prochaine, vous êtes les meilleurs.